c'est un teaser pour donner envie, sans rien montrer ni dévoiler, de ce qu'est la pièce. Je vais vous faire passer le test du désert. Un test qu'aurait pu passer Zuko. Certainement. Puis je vous livrerai les clés. Et je vous donnerai avec le résultat du test de Zuko. Je ne sais pas si c'est clair. Ça devrait normalement vous parler sur votre envie de venir voir Zuko. Nous voir. Enfin, imaginez. Et ce serait mieux même si vous pouviez fermer les yeux. Imaginez. Imaginez un cube dans le désert. Décrivez-moi sa forme, sa taille. Enfin, décrivez-vous à l'intérieur de vous. La matière dont il est constitué, comment il est posé. Ensuite, imaginez une échelle. Près de ce cube, contre ce cube, situé là, contre le cube, de la façon dont vous voulez, décrivez la matière de cette échelle. Puis, imaginez des fleurs. Des fleurs près de ce cube ou de cette échelle. De quelle forme, de quelle couleur, de quelle vivacité. Enfin, imaginez un cheval dans le décor. Comment vous voyez ce cheval? Que ressentez-vous face à lui? Et puis, imaginez une tempête, un tourbillon dans le désert. De quelle nature? Que ressentez-vous face à lui? Vous voulez les clés? Le cube, c'est vous. Votre représentation de vous-même, dans son essence la plus idéalisée. Le cube de Zuko est petit et rouge. Il est enfoncé dans le sable carmin. Et des lumières en sortent, brillant dans le firmament, éclairant l'horizon ocre et âcre de poussière soulevée par les vents solaires. L'échelle, c'est le monde, les gens, votre rapport à eux, vos proches, vos amis. L'échelle de Zuko est un pont de lumière qui descend depuis le soleil, depuis l'origine des vents. Mais attention, c'est un pont trop petit pour ne laisser passer quelqu'un d'autre qu'un chevaucheur de lumière. Les fleurs, c'est votre capacité de créer, c'est votre potentiel réalisateur, vos projets, ou bien aussi votre regard sur vos enfants. Les fleurs de Zuko sont toutes petites. Non, elles sont toutes petites au début, et puis elles forment très vite. Ensuite, une grande fleur, toujours de la couleur de l'astre solaire. Le pistil flamboyant ressemble à un phallus. Le cheval, c'est votre cœur, votre relation à l'autre, un partenaire idéal, votre partenaire idéal. Le cheval de Zuko est mort. C'est une jument. Sa tête est plantée sur une pique, juste à côté de son corps décharné, desséché par les vents et debout de manière grotesque pour l'éternité. La tempête, elle, symbolise les crises, les problèmes personnels que vous pourriez être amené à rencontrer. Le tourbillon, enfin la tempête de Zuko, emporte tout dans le ciel. Elle mélange les étoiles, fait changer leurs couleurs, zèbre l'horizon, telle une aurore boréale, et pleut de tous ses feux sur le désert brûlant pour changer la matière morte en chair vibrante et frémissante, pur écho du chaos créateur. Alors, oui, alors, êtes-vous prêt à affronter Zuko et tous les personnages qu'il rencontrera dans le désert, dans sa romance ? Après la seconde prière, tu verras le disque solaire se déployer et tu verras quand tu viendras nous voir, cher public. Et je serais bien le roi des pourritos si je ne citais pas tous les autres spectacles de mes camarades. Il y a donc La dernière heure d'Harrison Fish, jouée par les adolescents, et en partie écrit par eux, Un procès d'un salaud. Il y a aussi Je veux mourir sur scène, qui a la mort stupide de certaines personnes que j'espère vous reconnaîtrez. Il y a Grande peur et misère du Troisième Reich. Alors là, je connais pas, mais ça me fait envie, forcément, un titre comme ça. Et puis, Le voyageur sans bagage. La nouille.